Ah bah ça a l'air de marcher là. Eh bien. Bonjour à toutes et tous, hein, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin, je suis peinard pépouze. Vous voyez l'interface a un peu changé. J'ai même la citation. J'ai des citations hasard maintenant qui passent sous mon menton. J'ai retravaillé la l'interface de la chaîne cette semaine. Et normalement, la grande nouveauté, c'est le compteur de messages. Je vous laisse le temps d'arriver. Ah oui, il faut que je remette mes écouteurs, c'est vrai. Oh, j'ai pas le réflexe. Sinon, je n'entendrai rien. Même pas moi en écho. Faut vraiment s'habituer à se rentendre avec quoi? Quasiment une seconde de décalage, c'est troublant. C'est un exercice particulier, et puis une fois que la gymnastique est faite au niveau du cerveau, ça passe. Oh là là. Tiens d'ailleurs. Là, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne toujours. Et je sais plus, j'ai dit quoi? J'ai dit mise à jour tous les quarts d'heure. C'est bien tous les quarts d'heure. C'est bien, c'est bien. Eh ben. Oh là là. Oh, je vous laisse le temps d'arriver, va. Alors j'aimerais bien savoir d'où ça vient. Oula, j'ai des retours sons bizarres. J'ai eu un... J'ai pas compris. Enfin bon. Du coup... Attendez, si j'ai ça, je peux me faire ça, non? Voilà, j'arrive même plus à... J'ai caché? Comment ça, j'ai caché? C'est bizarre. Bah. Attends, qu'est-ce que j'ai fichu? Là, il va me dire que je peux. Et si je fais comme ça? Ah bah elle est bonne celle-là. C'est bizarre. Bon bah... Je vais reprendre tout dans le jeu. Hop là. Je fais mes petits tests. Tac, là comme ça devrait être bien. Et si je fais ça, ça devrait fonctionner normalement. Je dis bien normalement. Non, j'ai pas fait de bon plan, mais quel abruti! Bonjour Olive, j'espère que tu vas bien. En ce nouveau samedi matin. En plus, j'ai le plan de mes citations, mais non. Bonjour Thunsen, j'espère que tu vas bien toi aussi. Je suis en train de faire des âneries là déjà. Oh là là. J'ai pas lancé de bon plan. Le but est pas de voir ma tronche, c'est de voir le jeu. Voilà. Tableau mystère. Yeah. Ah, il reviendra bientôt le tableau mystère.
Alors, si mon horloge est bien fabriquée, il reviendra d'ici un peu plus de 3 heures. On voit le 3h21 à l'angle. Mais attention, c'est expérimental parce qu'en fait, j'ai commencé à fabriquer. Voilà, je peux vous le montrer rapidement avant de reprendre le jeu. Comment je pourrais faire? Attendez, là vous voyez peut-être. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez, je me suis fabriqué un truc en langage Pascal. Et normalement maintenant j'ai un compteur de messages. La grande nouveauté. Non, c'est les joueurs PlayStation qui ont un compteur de messages au niveau du chat de Twitch. Et j'ai vu que la variable se promenait dans les données de Wazebot au niveau du serveur. Donc j'ai bidouillé ça en semaine. Je me suis fait rapidement avec mes vieux souvenirs de programmation Pascal là, quand j'étais étudiant en informatique il y a 20 ans de ça. J'ai été formé au Pascal. Et puis, bah, les réflexes sont vite revenus, je suis content. Donc je me suis programmé, vous voyez la nouvelle scène qu'on a, et non, toutes les 15 minutes, il va rafraîchir les compteurs. Alors je peux changer les minutes, mais je veux pas trop harceler les serveurs. Et comme c'est gadget, je me dis qu'une fois tous les quarts d'heure, mettre à jour les trois compteurs, c'est correct. Wally Walou. Ben voilà, c'est pour vous donner une idée de la coulisse et de ce que j'ai bidouillé cette semaine. Alors attendez, je vous disais que le but c'est pas de voir ma tronche, mais de voir le jeu. Donc normalement, ça devrait être comme ça. Par contre, j'ai perdu le chat. Ah! Si je perds le chat, je vais être malheureux là. Je vais pas pouvoir vous lire. Alors, je me demande au niveau de l'affichage. Ouais, ça a figé l'horloge. Ah, je peux pas parer le fait que c'est figé l'horloge. C'est terrible ça. C'est terrible. Mais ça, c'est propre au jeu. C'est à cause de Killing Time. Bah, Killing Time, je l'aime bien. Puis, je crois, et sans déconner, je crois qu'on est en plus de la moitié, hein. On est parti pour le finir. Donc, attendez. Si vous voulez, j'ai. Comment on dit? J'ai 6 clés sur 10. Mais les vases, j'en ai que 3 sur 10. Regardez bien mon interface en bas de l'écran. Tac, 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 tac. Je sais plus où j'en étais là dans le jeu. Voilà, je peux peut-être faire le point de munitions. Je veux pas prendre l'orbe doré parce que je l'ai gardé. Si je suis vraiment en sale état, comme ça va remonter bien ma vie, ça fait 50 points de vie. Ah, je suis en facile, les ennemis sont coriaces. Alors normalement j'ai baissé le son du jeu. Vous devriez en entendre un peu moins. Ah, ça fait plaisir. Ah! Il y en a encore une de cochonnerie. Ça fait très bonne d'arcade le son de gémissement. Je crois que j'avais activé un interrupteur. Bah, on va déambuler tout doux dans les couloirs de cette étrange demeure. Oh bon. Attends, la scène de film, 2 secondes. C'est quoi la scène de film? On va se mettre à l'angle. Bonjour Nat. What's this water clock all about? Well, it probably dates to the early dynastic period of Egypt. It's quite interesting if you think about it. When my ancestors were rooting about in the bog. That's very interesting, Byron, but what does it do? Oh, I see. In layman's terms, it tells time. I know that. It's a clock. But I mean, does it have any special properties? Special properties? I don't think I follow.
Listen, you little worm. Tess wants that clock, and I want to know why. Oh, those properties. Well, there are those who believe it has the ability to suspend time, granting eternal youth to all within its influence. It was first designed by us, the followers of Anubis, the jackal god. Tell me why she wants the clock. Oh, well, if you must know, she and I plan to use it to suspend time with... Now let go of me. I have nothing more to say. Wait, you and Tess just want to play mad scientist with this lost artifact? Is that what the secret is? Laugh if you must. When the water clock is activated, Tess and her friends will be immortal. And you, what will you be? On a le point de l'histoire, le coup de l'artefact qui bloque le temps. Et souvenez-vous de l'intro, quand l'inspecteur que j'incarne arrive sur l'île, il dit « Oh, c'est bizarre, ma montre s'est arrêtée. » Et en fait, on est hors du temps. Ça fait partie de la puissance de l'artefact égyptien qui régit l'île, en fait. Et bien... Là, c'est un vrai dédale, je suis... Oh! C'est un vase! Faut que je le prenne. Ça me protégera de la malédiction égyptienne. Oh là là. Ils se battent entre eux. Elle est bonne, celle-là. Ils se battent entre eux. Elle est bonne. T'as fini de me tirer dessus, toi, vilain? Ah! Le clown, là, il a fini son numéro de cirque. Oh, c'est du tout cuit. J'avais plus de balles. Eh oui, on retrouve le saxophoniste fou. Bonjour SDR! Ouais, j'espère que vous allez tous bien ce samedi matin. Bon, je suis content. J'ai d'ailleurs tellement content, faut que je sauvegarde parce que c'est important de récolter des vases. Ça me protégera de la malédiction au moment de fuir. Je manque un peu du monde de la sauvegarde. C'est bien. Moi ça va, j'ai juste au niveau dentaire, j'ai un truc qui me titille, j'espère que ça va pas s'aggraver. Ah oui, les patous. Ça fait stylé quand même comme salle de bain, le grand bassin comme ça, ouf. La piscine d'intérieur, c'est luxe. Oh! Oula! Il y en a du peuple! C'est ça que je vais déverrouiller. Comment ça? J'ai pas compris pourquoi j'étais blessé. Faut que je fasse gaffe parce que... Ah merde, je suis en train de me cramer tout seul. Oula! Changer d'arme. Je ne suis pas en confiance. Moi aussi, j'ai une fusil à pompe. Encore une salle de repas. Carrément un restaurant. Enfin, quand tu vois la taille de la demeure depuis l'extérieur, ils peuvent. Hein. C'est un 2000 mètres carrés ici. Oh là là.
Un petit peu de recharge de lance-flamme, c'est redoutable. Oula, j'en perds mon sens de l'orientation. Wow! Non, c'est une scène que j'ai pas vu ça. Ah oui, les caisses ne me disent rien. C'est quoi la scène? Stay away from Tess. She's trouble. Real trouble. Duncan will tell you. Except, Duncan ain't what he used to be. Mm-hmm. Bonjour Romanus Caiutus, j'espère que tu vas bien. Bah, c'est le petit jeune de policier qui nous dit bah méfiez-vous, tenez-vous à l'écart de Tess. Tess, si j'ai pas de bêtises, c'est justement elle qui apparaît en bleu là. Bon. Oh! Mais c'est bizarre de voir des caisses de texture différentes. Et puis tu peux faire un truc avec. Oula, 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 elle m'a cerné là. Faut que je fasse gaffe à ma santé. J'ai rien gagné dans cette salle, hein, non? Bizarre. Enfin, toutes les salles n'ont pas forcément un gain. Mais bon. Donc j'ai gagné un vase. Ça veut dire que normalement j'ai fini la pièce là. Ça j'en venais je crois, hein. Je l'ai fait. Hein. Ouais, c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Alors, sortons de la pièce. Ah, on change d'ambiance. C'est quoi déjà cette scène, je sais plus. The most remarkable thing about it is that it doesn't look like a clock at all. It's almost feminine in form. It's wide middle echoing a woman's hips. And the two handles reaching up, suggesting arms reaching to heaven. And the figurehead is clearly Thoth. This has to be it. I'm certain of it. Damn things, they're impossible to kill. That was an exceptionally large blatter orientalis. Very thick carapace. I try roasting it on the end of a cigarette. Et B. Ouais, tout ce qui est cafard par le feu. Normalement, je devrais pas revenir ici, j'ai déjà fait. C'est quoi ici déjà? Mince. Je sais plus, là je me baisse, là je saute. J'ai même plus ma touche pour ouvrir. Ah voilà. Ah, j'ai pas fait, c'est nouveau. Je viens de la déverrouiller. C'est bien, on avance. On se moque un peu du nom de la sauvegarde. Putain, ces pièces, elles sont magnifiques. C'est l'air de piano. C'est l'air de piano du drama. Allez, c'est quoi le film? Finally, you have gathered together enough of my spirit so that I can communicate, but we must hurry. This entire island is trapped in time. Some, like myself, are spirits without a body. Others were less fortunate. They roam the island, poor, hapless zombies. No one can rest while the water clock exists. You must go quickly to the attic and destroy the water clock. The water clock? Je traduis ça bêtement par l'horloge de flotte. Je reviens par là parce qu'en fait j'ai l'orbe dorée là dont je disais je peux pas la prendre maintenant. Ça va me redonner un max de vie là. Enfin 50 points de vie. Il faut que j'apprenne maintenant puisque je suis à 32%. Ce serait idiot de fermer les yeux là-dessus.
Maintenant, il faut que je me rappelle où est l'orbe. Je sais plus. Où est-ce qu'elle était l'orbe? C'était dans les salles là? Je sais plus. Oui, ça c'était les caisses. Oh merde, ne me dis pas qu'elle a disparu l'orbe. Ou alors je l'ai pris sans m'en rendre compte, possible. Parce qu'au niveau de ma vie, il faut que je fasse gaffe. Là, il reste plus rien de toute façon. Attendez, je vais voir rapidement, mais. Ouais, non, il n'y a plus rien. J'avais tout écumé. Oh, cette demeure de fou! Ah, j'ai pas la clé. Un autre rose. J'ai du rose, mais c'est pas le bon. Ah. Donc, si c'est une succession de portes, ça voudrait vouloir dire que la vilaine, elle est dans le manoir, dans la meilleure chambre tout au fond. Je présume. Est-ce qu'il y a d'autres accès dans la demeure? Bah là, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, je l'ai pas encore celui-là. J'ai pas la clé verte. Oui, je garde un œil sur le chat. Ah! Tiens, c'est marrant. Le chat, par contre, dans le nouveau mode de chat que j'ai programmé, vous voyez que là, par contre, c'est dynamique. Vous voyez, effectivement, c'est mon système d'horloge et de compteur qui marche pas avec ce jeu. C'est dingue ça. Bon, je peux pas aller là. Oh là là, alors là, je commence à ne plus savoir. Là, je sors de la demeure. Est-ce qu'il y a un endroit que j'ai pas fait? Là-bas, j'avais trouvé un vase. Si évidemment je tourne en rond hein, pendant, on va dire, une demi-heure et que je retrouve rien de nouveau, on change de jeu et puis je me débloquerai hors antenne. Parce que là. Parce qu'il y a un truc qui m'aurait échappé. Déjà les munitions, je vais pas les bouder. Ah, je suis quasiment taquet. Bon ben ça va. C'est pas la situation catastrophique de la dernière fois où je me suis retrouvé à poil sans munitions. C'était le fait de faire les sous-sols du manoir où il y a un bestiaire de fou furieux. Là, il n'y avait pas une orbe qui m'attendait. Si, je la prends. Voilà. Au moins, je serais pas venu pour rien. Je suis à 82, ça me rassure. Ah ouais, cette histoire de crypte. On a déjà fait, hein. Je vais pas y retourner. Il y a la sortie sur le côté au niveau du... des sépultures. Oh, cette musique. Je suis au taquet en niveau munitions. Ah oui, si je l'avais fait ça. Se refuse pas, recharge de lance-flamme. Il est précieux le lance-flamme. Oh, quelle est mystérieuse cette île!
Ah oui, au bout d'un petit délai, il y a les messages qui s'effacent. Ouais, j'avais programmé un délai d'effacement automatique des messages. Je sais plus, je crois que j'ai mis 10 minutes. Un truc dans le jar, je suis plus sûr. Mais c'est pas plus mal, ça permet de garder la chaîne vivante en toute occasion. Oui, la musique elle est trop bien. Non, je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Je vais revenir sur mes pas. En dehors du manoir, est-ce que... Mais oui, je crois qu'il y a un endroit que je... Attendez. Il n'y avait pas une histoire de verrière, mais si. Mais c'était là. C'était après l'église. Merde, j'ai un doute. Attends, la carte de l'île dit quoi? Oui, c'est après le... Non. Il faut que je reste dans ce secteur. Il faut que je persévère. Il y avait un truc que j'avais pas ouvert, là, qui était comme un arboretum. Un arboretum, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais... ça me revient maintenant. Et j'ai peut-être la clé. Je sais plus de quelle couleur était demandée au niveau du sas d'entrée. Qui m'était jusqu'alors refusé. Et peut-être là la suite de l'histoire. Bon, on a compris que Tess, c'est la vilaine. Elle se fait passer pour une victime, mais c'est elle la grande antagoniste de l'histoire. Elle se prend pour Cléopâtre, à mon avis. Nul ne sait si elle sauve des bains de lait. Ah, merde. J'ai pas... C'est, là aussi, c'est la clé verte. Le jour où je dégote, je trouve la clé verte, punaise. Ça m'ouvre de ses accès. Ah, misère. Misère. Oh. Ambiance jazzy. Ouais. Oh, je suis tombé dans le bassin. N'importe quoi. Là, j'avais eu un vase. Et même la tête des végétaux en forme de Tess en train de dire help me. Ou alors ça représente un oiseau. Oh mon dieu. Non, là ici j'avais eu un vase. Là, sur le présentoir. Donc ça, c'est un bon truc. Mais oh là là, les clés. Ils peuvent être une musique comique à la Benny Hill, là, pour se moquer de moi. Parce que je suis en train de tourner en rond comme un hibou, à mon avis, là où il faut pas. Mais je me demande où est-ce qu'ils sont allés chercher les musiques, en fait, chez 3DO. Parce que c'est pas de la merde, hein. C'est... Est-ce qu'ils ont commandé un orchestre? Je sais pas. Ou est-ce que c'est fait intégralement sur ordinateur? Faut savoir que c'était quand même dans les années 90 que le jeu a été conçu, donc belle prouesse au niveau de l'habillage sonore, bien. Non, bah, de toute façon c'est toujours la même couleur. Non, mais je vais revenir sur mes pas. Mmh.
Je suis pas comme Mercoltiné de manoir. Je pense que j'ai tout fait. Au sous-sol, est-ce qu'il y avait une porte qui me résistait au sous-sol? Je crois pas. Hein. On avait trouvé une clé dans les eaux usées, dans les égouts. Complètement sous le manoir. Il n'y avait pas de porte, je crois pas. À un moment, il y avait une espèce de cuisine extérieure. Oh, le manoir, c'est mille secrets, j'ai envie de dire. Et là, je sais même plus ce qu'il y avait là. Ah ah ah. C'était quoi ça? Je l'ai pas ouvert ça. C'était quoi? Ah! C'est nouveau! Ah ah! J'ai trouvé la suite! Bzz. Voilà, comme une abeille. Le truc idiot! Oh mon dieu! Wow! Ah ah! Je t'ai entendu faire un. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah, merci. Oui, comme quoi, tout doux. Oh, non, verrou du Danube. Bien joué. On se croirait sur Tchulak ou sur notre planète. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté, ouais, à la Stargate SG1. D'être sur une planète à part. Mais franchement, j'aime beaucoup l'ambiance du jeu. En fait, au niveau du thème, oh, c'est me chanter. Je me souviens même plus qu'il y avait une chanson dans l'album. J'ai l'impression qu'on est sur une île canadienne, parce qu'il y a des conifères, on dirait qu'il fait frais. Donc ça fait très île canadienne. Mais on a le thème de l'Égypte parce que voilà, c'est une villa investie par des archéologues, des égyptologues et autres spécialistes de l'Égypte. Avec l'autre folle qui se prend pour Cléopâtre, apparemment. Hein. C'est stylé, je trouve que c'est. Le mélange des deux ambiances, c'est pas incompatible. Attends. Oh là là! Je me recule un peu là. J'ai tué la musique. Ok. Non, je passe pas par là. C'est énigmatique. Ah! Oh, j'ai même pas besoin de recharge de lance-flamme. Je suis au taquet là aussi. Ah bah c'est beau. Y'a rien à son niveau, lui. Y'a pas un truc de caché? Y'a rien de caché. Bon bah tant pis. Oui, on peut dire que j'ai passé le chapaï. Ah, je ferai l'étage après. Alors, petite pièce là, c'est un salon, c'est pas... Oh! Trop bien. Y a rien derrière le... À part la sphère d'énergie, évidemment. Ça, c'est une table de spiritisme, là. Ils se faisaient du Ouija, là. C'est pas possible. Avec ces petites bougies. Oh, la bibliothèque. Comment ça? Ah!
It's a trap. C'est un piège. Ah oui. Vilain piège. Help me. Non, il n'y a pas de porte. Oh, la bibliothèque. Je veux la même dans Minecraft. Alors, c'est quoi la scène? Once Tess performs the ritual, the power of the clock will be hers to command. How do I know she won't cast me aside? Perhaps I should perform the ritual. Le rituel? Then my soul would be lost forever. That's just too high a price to pay. Besides, she needs me. Mm-hmm. Elle a besoin de lui. Oui, par rapport à ses connaissances en mythologie égyptienne. Oh là là, c'est beau. Oh là là, c'est piégé. Attends. C'est la guerre. C'est la guerre. Oh là là. Ah, sympa. Le balcon avec vue sur la mer. Tranquille. Oh là 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 là. C'est luxe. C'est le luxe. Stylé. Ouais, c'est une bonne idée de construire ce genre de bâtisse là où il y a une pointe vers la mer. Ah, j'ai récupéré un vase. Le rythme est bon, 6 clés, 5 vases. Il y a 10 vases, 10 clés. Le rythme est très bon. Help me. Oui, c'est quoi la scène? J'ai pas regardé. This is so exciting, Byron. Just think, we'll never grow old. I was sort of relishing the idea of growing old with you. I've planned a grand party for tonight. You know, I don't think anyone understands me the way you do. I've hired a troupe of clowns to entertain us. You've been so understanding, so kind. We'll have a feast and dancing and plenty to drink. I think I may be in love with you. Is everything ready for tonight? Yes, I think so. I'm still fine-tuning the range of the clock. Mm. Each portion of you must be carefully placed. I hope no one saw you. What would happen if someone located these objects? They contain my soul. Fear not. I had them carefully placed. I had Angela watching my back to see if anyone was following me. Eh bien. On nous apprend des choses. Sauf que là, j'ai pas gagné de clé. J'ai gagné un vase, ce qui est très bien. Ça, c'est une porte. Oula, c'est un bug déjà. Oula là. Je réfléchis du coup. Oui, j'ai fait. Oh là, ça fait bizarre de voir l'aile des insectes dépasser des murs. Ça fait bizarre. Mais bon. Bonne chose de fait. Quel endroit j'aurais pas visité? C'est-à-dire, évidemment, quand je dis quel endroit j'aurais pas visité, c'est là où j'ai les verrous avec les clés, quoi. Enfin, les portes colorées.
J'ai bien fait de revenir par là déjà. Non, je crois que toutes les portes qui me résistent maintenant, excepté là, ce qu'on a vu tout à l'heure là, l'arboretum, mais j'ai pas encore la clé. Tout est dans ce manoir, je crois. Je dis bien, je crois. Donc ça, c'est quelle couleur déjà? Mince. Ah, je me trompe. Ah, c'est le fameux vert fluo. Ici, j'ai fait depuis longtemps. Ah, il y a le coup de l'horloge aussi, je crois. Non, bah là, je peux pas y aller. C'est où qu'il y a la pièce mystérieuse avec l'horloge? J'ai déjà pu. C'est à l'étage? Oh, ce dédale. Ce dédale de foufou. Non, c'était pas là. Alors là, je peux pas y aller. Bonjour Poupon, j'espère que tu vas bien. C'était à l'étage inférieur, la salle avec l'horloge. Mais c'était où? Ouais, ça peut être que là, non? Attends, là derrière, il y a quoi? Il y a la... On va dire, il y a l'espèce de nef, là. Je sais plus, donc je peux toujours pas l'ouvrir, celle-là. C'est vraiment un mystère. Ouais, ça a changé Cyberpunk, m'en parle pas. Et il y a une salle avec le linge. Je sais plus où est-ce qu'elle est cette salle. Ah oui, il y a le coup de la cuisine et le fait de descendre dans la cave et les souterrains là, c'est terrible. Alors je vais pas y retourner, par contre. Il y avait un autre accès, je crois qu'il y avait une cour arrière. Ça, c'est la chambre froide. La cour arrière, elle est là. Là, j'avais gagné quoi? Je sais plus. J'y avais fait un carnage, mais je sais plus ce que j'avais gagné. Là, il y avait quoi? Oh, il y a une orbe. Pour régénérer la moitié de la ville. J'avais rien ici, je crois, qui me résistait, si je puis dire. Oui, là c'est la morgue, ouais. Vu le carnage, ouais. C'est sûr. Mais. Quel est l'endroit dont j'ai l'accès, dont j'ai la clé? Pour la suite, je sais pas. C'est tellement grand. Non, là, y a rien de toute façon. Ça, c'est l'accès vers la cave. Et
je veux pas aller à la cave, on l'a déjà fait, on a récupéré une clé. Ça c'est énigmatique, je sais pas à quoi ça sert. C'est vraiment énigmatique ce truc. Non, je suis déjà allé. Je vais pas me refourvoyer dans ces labyrinthes. Mais elle était où la pièce avec l'horloge là qu'on pouvait manipuler? Je sais plus. Pourtant, elle est facile d'accès normalement. C'était pas là? C'est quoi cette salle? Oui mais non, c'est là où j'arrivais. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Là il y avait un... Oui non, c'est pour aller dans l'angle. Parfois il y a des airs de Resident Evil, je trouve, à la manoir. Ben je dois avouer, je ne sais plus. Merde là. Pourtant j'ai souvenir que cette salle est facilement rapide d'accès quand tu entres dans le manoir. Ce serait là-dedans et je m'en souviens plus. Parce que là c'est le truc sur le côté. Oui, et puis ça, c'est le coup des cuisines, machin, avec la salle à manger. Et ben, je sais plus du tout. Celle-là, je l'ai déjà faite. J'y avais récupéré un vase de protection, justement. Wow! Si comme moi, vous avez le tournis, tout va bien. Ah, 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 ah! C'est là où il y avait une clé. Ah! Lave-la! Avec l'horloge. L'énigmatique horloge. Attendez, je vous lis. Oui, la musique est un peu trop forte. Je peux me la couper d'ailleurs. C'est peut-être plus reposant sans musique. Je sais qu'elle peut saouler à force. Quand je reste dans le même secteur, elle tourne en boucle, elle est chiante. Mais ouais, la scène là on l'avait déjà vu. Mais ça je pense que c'est un truc à manipuler, mais je sais pas comment. C'est du côté, je sais pas comment. Je vais peut-être faire un test d'ailleurs, attendez. Why, thank you, Lydia. Attendez. And you've managed.
je voulais faire le test, mais c'est pas grave. L'arme la plus puissante. Merde, bah, j'ai changé la... Pff, n'importe quoi. Langue, c'est où? C'est tout super puissant. Ça fait rien. Non, ça fait rien. I suppose you can't help it. You have inherited your father's penchant for alcohol. C'est pas ça, c'est pas ça. Oui, le coup. Oui, GG, oui, merci. Help me. Help me. C'est bizarre. Il y a un truc avec cette horloge, c'est sûr, on peut interagir avec. Mais quoi, comment, je sais pas. Revenir à minuit, l'heure du crime. Tirer dessus. Non, c'est horrible. Que d'énigmes à résoudre. C'est le seul mystère. Si je me barre, Tu n'as pas d'indice donné par le jeu? Non, 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 il faut mémoriser en fait. Là, je vais vous montrer. Là, par exemple, j'ai une porte qui me résiste. Elle est de couleur vert clair. Je me mets dans un coin peinard. Et regarde l'interface quand je demande la carte par tabulation. En fait, on voit en haut que j'ai des vases, vessels. Et j'ai des clés, keys. Donc c'est pas mal, il y en a 10 de chaque. On voit que je suis déjà à plus de la moitié du jeu. Le problème, c'est que quand on est sur une île mystérieuse où il y a cette grande demeure de fous furieux, là, il faut que je mémorise où est la localisation des portes. Donc là, récemment, avant que tu arrives, Poupon, j'avais trouvé un vase qui était dans une petite bâtisse qui était au-delà de l'arboretum dans un angle de l'île. J'en reviens. La question est, il faut que je fasse travailler ma mémoire. Où sont les portes qui me résistent encore? C'est ça en fait la grande question. Je sais qu'il y a une grotte assez loin d'ici, mais je pense pas qu'à la couleur. On peut toujours essayer, hein, on peut y retourner. Mais je me demande si c'est pas justement la porte là qui ferait le lien avec la grotte en question. Et donc j'ai pas la clé. On peut toujours y retourner, ça me laissera le temps de moi de gamberger, de faire travailler ma mémoire. Et puis oserais-je dire que vous, ça vous change les idées. Donc c'était par là-bas la grotte. Non, non, c'est vraiment une île mystérieuse à mort. Il y a encore des indices. Des indices, il peut parfois y en... Enfin, en avoir. Et encore, faut bien comprendre l'anglais. C'est quand on déclenche les mini-cinématiques vidéo, là, avec la tête en bleu qui apparaît, les bras ouverts en V, ou en Y, devrais-je dire. Ça, c'est le chenil, c'est là où il y avait les clébards. Donc, ça, c'est au début qu'on l'a écumé, il n'y a plus rien dedans. Oui, ah oui, 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 les jeux actuels sont vachement plus faciles, oui. Celui-là, il te fait vraiment... Il te fait remuer les méninges, parce que parfois, il y a des énigmes, mais... T'es obligé de faire un effort de mémorisation, surtout au niveau de la spatialisation. Faut que tu te souviennes de quel chemin mène où, les labyrinthes en 3D, il faut essayer de les mémoriser. C'est une gymnastique mentale qui n'est pas évidente. Et je devine que ça puisse en frustrer pas mal à en jouer, qu'il n'y ait pas d'intérêt, pas de plaisir à le faire. Mais moi, j'aime bien. Je sais plus du tout déjà où mène ce chemin. Je l'avais fait au début de la partie, mais j'ai déjà oublié. Oh là là, puis les chemins se multiplient. J'ai cru qu'il y avait un ennemi. Il m'aurait hurlé dessus, de toute façon. Ah, sans musique, je reconnais que c'est pas mal non plus. J'avoue. Le fait d'avoir désactivé la zik, là, c'est... Ouh, plus relaxant. Attendez, je suis mal assis. Je suis en train de me faire mal. En plus, ça serait bien que je me mette en appui-tête sur mon... Oh, vous voyez, je me détends instantanément. Ouais, ça fait un peu belvédère.
La demeure, alors celle-là, la demeure secondaire, c'est là où on trouve la clé d'accès, la dite invitation pour entrer dans le manoir. C'est là où j'avais, souvenez-vous, j'avais tourné en rond, tout ça parce que j'avais loupé la pièce où il y avait l'objet. Et je croyais que ça faisait partie du décor, qu'il n'y avait pas d'importance à ça, à ma grande erreur. Et ça avait été mon premier échec dans le jeu. Alors, que dis-tu, Poupon? Moi, ça me plaît, mais le challenge peut être considéré comme trop dur par certains joueurs casus. Ce qui n'est pas un terme de dénigrement de ma part. Oui. Oh, ce chemin, est-ce qu'il mène pas, si, à la demeure du pont cassé? Je l'ai déjà faite. Elle est chiante d'ailleurs, parce qu'il faut réussir à une succession de sauts pour pas se noyer dans l'océan, dans la mer, là. J'y suis déjà allé dans cette demeure là-bas. Au début d'ailleurs, j'y retournerai pas puisque j'avais trouvé un truc, j'avais trouvé un vase. Donc, c'est que je l'ai écumé en fait. Donc on va faire l'autre intersection. Et on va lentement mais sûrement se remémoriser à quoi correspondent les lieux sur cette île mystérieuse. Pardon. Oui, alors ça c'est la dite demeure. Donc ce serait bon. Il est 10 h. Pardon si j'ai les compteurs et l'horloge figés, mais c'est à cause du jeu. Sa résolution fait tout flinguer. Au niveau de mon interface. Donc il faudrait que j'aille là du coup. Si tu aimes les jeux d'énigmes, tu as une pépite qui s'appelle The Witness, mais date de 2007, je crois, sans doute trop récent pour toi. Peut-être, oui, peut-être que mon ordi ne le fera pas. Mais merci d'avoir donné la référence. Je la garde dans mon chat. Et à l'occasion, quand ça me repassera sous le nez, je ferai une recherche. Pardon. Merci tout plein, Popon. Mais si c'est pas maintenant, ce sera plus tard quand j'aurai un meilleur ordi, dans le futur. Je prends toutes vos références avec grand plaisir. Je me souviens plus où ça mène. Oh là là. Cette île de fous furieux. Où allons-nous? Je me demande si c'est pas l'entrée de la grotte. Le coup du labyrinthe. Il va y avoir une porte creusée dans la roche. Pardon, décidément. Voilà, c'est ça. Donc, si je me souviens bien du labyrinthe, c'est déjà pas le cas. Merdoum. Mais si au niveau intersection, faut que j'aille. Voilà, faut que j'aille par là, je crois. Non. Par là peut-être. Un moment, il va y avoir une porte qui va se révéler à nous. Non, déconne pas, c'est pas là. Ah, oh, le jeu qui rend fou. On progresse, on progresse. Non, c'est un cul-de-sac. Merde. C'était l'autre intersection, je crois. Celle-ci? Possible. Non. Ou alors était-ce là? Là! Voilà. Voyez? C'est le même symbole, souvenez-vous, que dans la demeure, le manoir tout au fond. Et je me demande si c'est pas lié, si c'est pas la porte arrière en fait. Donc quand j'aurai la clé, je pourrai passer de la grotte au manoir aisément. Ce qui doit avoir un intérêt stratégique majeur, je présume. Sinon, il l'aurait pas proposé. Oh,
Ce dédale de fou. Après, je sais plus. Au pire, j'utilise la carte, mais... Oh, merde, je suis revenu. Je suis en train de me faire avoir comme un bleu. Voilà, là, je progresse. Dans la sécu de sac. Attendez, j'aurais pas dû enfoncer mon chapeau sur le crâne, là. Du coup, j'ai un sentiment de malaise. Ça me démange la base du crâne, c'est pas cool. Ah. On va sortir de ce dédale, on va sortir de cet enfer. Ah, soupir, je sais plus. Au moins, on aura essayé. Les jeux qui rend fou. Merde. Je vais utiliser la carte parce qu'à mon avis, là, j'ai chu dans un cul-de-sac. Ah non, voilà. Ouf. Il est 10h, faut que je bouge, sinon je vais rien faire du matin. Merci Poupon d'être passé, merci tout plein. Bonne matinée, bonne journée, bon week-end de manière générale. Merci tout plein. Là, c'était rien de particulier, non, non. De toute façon, il est rare que de hors chemin qu'il y ait des trucs. Si, toujours, mais c'est des bonus en rab. C'est pas l'essentiel en général. Ah, il va falloir que je fasse travailler ma mémoire. J'ai cyclé. Quel endroit je serais pas allé encore? Et qui échappe à ma mémoire, parce que je suis en train de tourner en rond comme un ego, là. Allez, je me tonne encore 10 minutes. Si dans 10 minutes, j'ai pas progressé, je change de jeu. C'était quoi, ça? Ça mène où? Oh, intersection de fou. Oh là 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 là. Ah bah non, c'est le coup du belvédère. Oui, bah je tourne en rond là. Il faut que je sorte de là. Donc normalement c'est la prochaine à droite, enfin en face, voilà, c'est ça, où je vais sortir de la zone. Après, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ouais, ça c'est une place perdue. Ça, c'est le chenil. Non, je vois pas. Sans déconner, je vois pas. Ce serait dans le manoir que je serais... Mène à quoi le long du truc? Non, après, ça devient de la montagne. Non, bah, on va retourner au manoir. C'est quand même pas dans les sous-sols que j'aurais oublié un truc, si. Oh, je finis par avoir le jeu. C'est vraiment bizarre.
énigmatique cuisine. Donc, chambre froide, j'y avais trouvé un objet. La partie arrière, je sais plus ce que j'avais trouvé. Mais il n'y a plus rien de toute façon. Et sinon, je retourne dans la cave où j'avais trouvé une clé. Mais j'ai pas d'intérêt à retourner à la cave, si. Oh, je pense pas. Je sens qu'on va changer de jeu. Parce que là, je gamberge et je tourne en rond. J'ai plus d'idées. Non, là c'était une réserve. Là on descendait dans les ténèbres, je m'en souviens. Non, il n'y avait rien à déclencher. Oui, c'est des vrais fûts, c'est pas une porte dissimulée. Là, c'est bizarre. Là, on peut interagir. C'est le coup de ça, de l'espèce de passerelle où j'avais récupéré une clé, mais ça n'allait pas au-delà. Il n'y avait pas de porte en soi. Tellement étrange. Bon, je vais pas vous faire poireauter. J'essaierai de me déverrouiller aux antennes. Il faut que je l'avoue, je suis perdu. Je vais le noter là. Perdu. Je sèche. À moins que vous ayez une idée, mais... Hop là, attendez, je m'en mets en gros plan. Je vois pas. Alors, oh bah j'ai peut-être pas besoin de faire de sondage, on est en petit comité. Que dire, que faire? Tiens, attendez, voir que je fasse un rafraîchissement manuel de mon programme, voir s'ils me disent le nombre de messages qu'il y a eu dans le chat. Oh merde, il y a un bug. Il me dit que quoi? Que 38 est un entier invalide. Ah, il l'a mis sous forme de chaîne de caractères. Ah merde. Faudra que je débug mon programme entre midi et 2. 38 est un... pendant ce temps, je vous propose, est-ce que je reprends l'astérite? Alors attendez, je vais vous le noter. L'astérite, vous savez, c'est l'escouade avec les mecs, le FPS rétro avec les morts-vivants dans la ville. Je me suis déverrouillé. Où on continue Resident Evil 0 maintenant. Ou si vous avez une autre idée de jeu que je fais en ce moment, qu'est-ce qui vous fait envie? Je vous laisse vous exprimer dans le chat. Moi, je vérifie un truc techniquement parlant. Dans ma coulisse. Ah oui, il l'a mis en chaîne de caractère et pas en valeur numérique. C'est pour ça que ça plante le truc. Ah, il faudra que je corrige ça tout à l'heure. D'accord. Ah, c'est ballot. Bah, je vais garder ça comme ça. Je vois que vous êtes frénétique à me répondre. C'est-à-dire, va te mettre... Bah, j'ai même plus mon horloge. Ah merde, oui, faut pas que je ferme mon programme, moi je suis fou. Voilà, un petit peu de zig de fond. Oui, du coup, ça a flingué l'interface de mon programme.
Ouh. Voilà. Eh ben dis donc, c'est la violence. Je fais tout bugger. De jouer un coup, excusez-moi. Alors là, je me demande. Mon avis hors antenne, le Lasterite. Non, le Killing Time, pardon. Que je viens de stopper à l'instant. Je vais tourner en rond pendant un bon bout de temps. Ah là 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 là. Mais je reste hors antenne. Je vais pas vous faire subir ça. Bon, apparemment, vous êtes sans avis. Je vais peut-être faire un petit Lasterite, tout simplement. Hop là. L'interface. Ah oui, attends, mais même le nombre de spectateurs, c'est biaisé. Je suis en train de voir, vous n'êtes pas zéro spectateur, ça va pas. Current viewers. Ah, pareil! En fait, je savais pas, mais il le met sous forme de chaîne de caractères, pas sous forme de variable. Voilà pourquoi ça marche pas. C'est pour ça que j'ai les compteurs anormalement à zéro. Oi, oi, oi. Ou alors, encore que je peux peut-être corriger ça rapidement. Bah, je vous laisse encore le choix, attendez. Je vais honteusement, je vais rapidement lancer mon système de programmation. Bah, je pourrais peut-être vous montrer d'ailleurs, que ça vous donne une idée de comment on programme. Oui, démarrer l'ODI. Oui, là vous allez voir un peu. Il va falloir que j'élargisse, mais je vais pas bousiller mon cadrage pour le jeu. Mais vous voyez un peu de code. Et en fait, c'est du langage Pascal. Ouais, il faudrait que je décale comme ça pour que vous le voyez bien. Et en fait, les variables que je récupère. Attendez. Tac, tac, tac. D'ailleurs, attendez. Il faudrait que je me déclare en just chatting là parce que je suis en train de. Je suis en train de bavarder avec vous. Je vais mettre chatting en attendant. Enfin, il n'y en a pas pour 10 minutes, mais c'est pour le principe. Alors. C'est bizarre parce que je fais. Entier, oui, en. Tac, tac, tac. Ah ouais, mais j'ai un mauvais découpage du. Ouais. Ouais, non, ça va être plus long que ça. Non, c'est pas grave. Je ferai ça entre midi et deux. Je vais pas vous faire subir ça maintenant. C'est plus long que ce que je ne pensais. Bah oui, du coup, il me dit 32 et un entier invalide. Voilà, du coup, j'ai des tirés. Le truc est bugué. Bon, allez, on va mettre à 2h le tableau mystère. Ouah, quoi, il me fait. Ah oui, alors là, j'ai dû commettre une erreur de saisie qui me fait bugger les formules mathématiques. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est pas 11h11, c'est 11h59 qu'ils ont dû me faire. Ouah, je l'avoue, mon truc est pas au point. Ah mon dieu. Bon. Le chat, je vous ai perdu. Est-ce que vous avez exprimé quelque chose? Non, pas du tout. Bon, bah, alors, je vais faire du Lasterite, peinard, pépouze. Allez, go. Tac, tac, tac. Mmh.
Ouais, le vlar. Tac. Du coup. Hop là. Non mais même les messages ça va être tronqué. Ah bah elle est pas mal celle-là. De l'intérêt de faire des tests en direct. Hein. Ah mon dieu. Ah. Le titre. C'est Lasterite. Oui, d'accord, je suis là. Alors, comment je faisais l'Astérix? Je capture en plein écran, je crois. Je crois. Il n'y avait pas quelque chose de cet ordre-là. Mince, je l'ai même plus dans mes propositions de... Ah, il est où? Il est là. On va y arriver. Ça vous donne quoi, vous? Je sens que je vais pas avoir leur tour. Que je relance de manière différente. Minute papillon, tout va bien. On est tranquille au samedi matin. Oui, parce que version francisée. Je vais vous expliquer le comment du pourquoi. Là, du coup, vous avez quoi? Oula! Oulala! Oulala! Ah, j'y jouais peut-être comme ça, effectivement. Alors ouais, j'ai un dossier Frenchy. Non, je suis un abruti. Ça y est, ça me revient. Je puisse plus rien. Alors, vous voyez que le jeu est passé en français. Comment vous expliquer? J'étais... voilà, souvenez-vous de ça. J'étais...
Ah non, attends, j'ai le jeu qui me fait un caca nerveux. Voilà. J'étais. Ah non, il m'a inversé la souris. Ah bah non. Il m'a inversé la souris, cet abruti. C'est une horreur. Oh là 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 là. Il m'a inversé le bazar ou quoi? Non, 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 avancez, moi je veux ça, moi. Voilà. Le fait de sauter, éventuellement, je veux ça. Et ouvrir, actionner, je peux mettre ça. Par exemple. Oh! Bah alors. Donc, le jeu, j'y reviens. On était, souvenez-vous, coincé à l'aéronef là et géré dans la ville où il se passait rien. C'était pas cool. Bref, ça semblait être un bug de fou. Et j'ai farfouillé sur internet pour essayer de trouver une réponse à ça. Voir s'il y en a d'autres qui étaient coincés comme moi. Effectivement, c'était le cas. Ah, perdu. C'est pas une bonne prise, Olive. Dommage. Et je suis tombé sur le témoignage d'un ou une anglaise qui tient un blog qui artistique et puis qui aime bien les vieux jeux, dont celui-là, et qui disait la mission 5, cette mission-là, moi je suis bloqué là où il y a l'aéronef, machin, tout comme moi. Et juste, c'est quand même con qu'on soit plusieurs apparemment bloqués et que ce soit le jeu qui soit mal programmé, vendu en l'état, qui peut être correctif. Je trouve ça bizarre. Et puis, en errant bêtement dans la ville, je me dis, je vais tester toutes les touches du clavier. On ne sait jamais que j'ai une bonne surprise. Et effectivement, la bonne surprise, elle s'appelle F2. F2, c'est le radar qu'il ne faut pas oublier. Et le point jaune qu'on voit, c'est la zone d'évacuation, en fait. Donc le jeu n'est pas buggé, c'est juste qu'il ne donne pas l'info. Il faut bidouiller, enfin bidouiller. Il faut frénétiquement s'exciter sur son clavier pour trouver la bonne touche, se souvenir qu'on a un radar, et il faut rejoindre le point jaune, en fait. Et j'ai même d'ailleurs, avant d'avoir trouvé l'astuce-là, donc l'intéressé, je lui avais écrit sur son blog pour lui donner la solution. Ça m'a fait réviser, pardon, un peu mon anglais. Et l'intéressé m'a remercié. Alors, sachant qu'il y avait eu un article, un très bon article d'ailleurs fait par ses soins, décrivant le jeu, bah, j'espère que bientôt il y aura la suite sur les 5 autres niveaux et la deuxième partie du jeu. Donc là, si j'échoue par rapport au point jaune que j'arrive pas à atteindre, c'est que j'ai pris la mauvaise rue. Là, je suis dans un. Oh! J'ai un dédale. Merde, c'est pas par là alors, c'est plus par là-bas apparemment. Mais 2-3 fois en m'entraînant, là, j'ai déclenché la fin de la mission et j'ai fait la suite, quoi. Enfin, j'ai fait la suite, non, je vous attends, mais j'ai fait la suite. J'ai déclenché la suite. Et là, c'est bien, je vais avoir les ordres en français, les voix en français. C'est Nigo sur Steam. Ils ont pas précisé quand j'ai acheté le jeu, ils disaient c'était que qu'en anglais. Et c'est faux en fait. J'ai vu un témoignage de quelqu'un sur Steam qui disait mais si vous faites telle manip machin, alors il y a une marche à suivre en 7-8 étapes. En fait, on peut provoquer la réinstallation du jeu hors Steam à partir de l'émulation du CD. Je parle un peu technique, pardon, mais ceux qui sont à l'aise avec le bidouillage informatique comprendront ce qu'on parle d'image ISO. C'est la copie sous forme d'un fichier de l'intégralité d'un CD, enfin d'un support quelconque, ça peut être un DVD aussi, ou un Blu-ray. Bref, vous pouvez déclencher l'installation du jeu et il propose les langues, dont le français. Donc vous pensez bien que je me suis fait une joie de rebasculer en français.
Merde, j'ai pas trouvé la bonne zone. Du coup, je vous fais la causette et je retrouve plus le chemin de l'arrivée. Enfin, maintenant on sait où c'est, je vais finir par retrouver, mais... Du coup, je tourne en rond. Et peut-être que je vous referai les 5 premières missions en français, mais bien plus tard, après que j'aurai fini le jeu. Je pense que je me garderai le jeu là, potentiellement, je dis bien potentiellement, en bouche-trou. Et c'est vrai que la précédente, la quatrième, elle est chiante. On s'y perd. Oh non. Les 3 caisses de médoc dans la grande surface, c'est pas évident. Ben je me demande si c'est pas là, on pointe tout droit vers le point jaune. Elle est peut-être là la suite. Je crois que c'est là. Mission accomplie. Voilà! On va découvrir la suite ensemble. Ah, on voit que j'ai bien gambergé. 95 minutes. Aïe aïe aïe. Voilà! C'est pas mieux dans notre belle langue de Molière. Voilà, mission 6, le festin des mutants. Nous avons rassemblé des informations sur la menace due aux insectes mutants. Bien que leur origine et leur nature demeurent mystérieuses, les données fournies par le docteur Rubus indiquent une forte probabilité que ces créatures soient identiques à celles aperçues précédemment dans les égouts du secteur E6-F4. Dans ses enregistrements, Rubius raconte avoir localisé 3 espèces de nids renfermant d'importantes quantités d'œufs. Ces données ont été confirmées par nos experts. Inutile d'en dire plus sur les conséquences de cette découverte. Chaque nid doit être identifié et son contenu entièrement détruit. Ces horreurs doivent à tout prix être arrêtées. Nos nouvelles lignes de défense étant encore faibles, nous avons besoin de toutes les troupes rassemblées ici pour protéger le commandant du fort. Vous partirez seul en mission. Bon, moi, j'aurais pu les clampins qui tournent autour. Mais bon, j'aurais pu d'appuyer au début, quoi. Bonne chance, commandant. Fin des instructions de la mission 6. Voilà. Ah, mon Dieu. Oui, on est arrivé par... Oh là, c'est très vert. Oh là là. Alors, je vais sauvegarder. Oh, la chute. Oh merde, pardon. Ah, j'ai clavier américain du coup. C'est pas normal ça. Tant pis. Voilà. On continue. Hop. Alors, là où j'étais un peu idiot, c'est que quand j'ai bidouillé les fichiers par rapport aux instructions là de... Comment avoir la version française? J'ai pas réinstallé le jeu sur mon disque dur, je l'ai installé sur une clé USB externe. Donc, comme à la vieille époque, il y a des lags de temps de chargement. J'ai pas l'air idiot. Alors, j'ai une clé USB à diode. Donc, je vois quand on fait un jeu d'écriture tout bazar. Et là, le carbure, là. Oula! Mais je sais pas viser! Ah, c'est dégueulasse, il se décompose en verre. Ah, c'est bien fait. Ah, il y en a d'autres là, du coup. Voilà! Là, je l'ai eu. Merde, homme! Mais ils vont me buter à eux seuls. Ah, je suis mauvais! Change d'arme, mais ça va pas. Attendez, je vais vous lire dans les chats parce que je vois que ça bouge.
Oh, truie ta grosse tâche de 10 kilos. Bravo, la classe. Bien joué, Olive. Mais si j'ai programmé le saut. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir la souris inversée. C'est très désagréable. Alors, attendez, en flingue, j'ai quoi, moi, du coup? Oui, le fusil à pompe est de circonstance, ici. Alors, ça doit être des portes, mais je vais pas les ouvrir tout de suite. On dirait un chant dans la musique. Oh là 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 là! Merde, je suis retombé dans le... Ah oui, c'est un truc de mystère. Ah bah c'est là d'où je viens. Ah oui, c'est là d'où je viens. Ça s'ouvre du coup ou quoi? Mince, j'ai demandé le menu au lieu d'ouvrir la porte. Wow! Mais depuis quand il y a des rats volants? Mais c'est un bug! C'est quoi ce délire? Ou alors c'est les rats qui sont sous la flotte, mais le seau est mal représenté. Non mais j'ai très mal joué là. Mais je suis vraiment perturbé par l'inversion de la souris. Ah non, c'est le gars qui me balance des rats en fait. Donc il devait y avoir un bug de collision ou alors le mec il était en haut. En fait le gars il faudrait que je le vise comme ça. Voilà. Ah bah d'ailleurs on voit qu'il y a un bouton. Non mais là je joue super mal, là je suis en train de perdre toute ma vie bêtement. Encore? Ah ils sont nombreux. Oh il est chiant. Mais arrête de me balancer des rats là. Encore? Oh là je suis mauvais. Ah, c'est lui qui m'adresse. Oh, ce jeu. Je sens que je vais pas aller loin. Donc, je me suis déverrouillé un truc. Oh là là. Boss, lui, il était plus coriace que les autres. Alors, c'est quoi la touche pour se baisser?
Merde, je sais plus. Non. Là, apparemment, je saute. Comment je fais pour me baisser? Non. Ce jeu est truqué. Oh, il faut que je retourne dans les options pour choisir le truc. Je suis désolé, mais... Oh. Sauter... Ah, mais il n'y a pas à se baisser. Ah, je confonds peut-être avec Killing Time. Autant pour moi. Pardon. Non, non, je confonds avec Killing Time, en fait. Je cherche une option qui apparaît. Donc, je peux toujours chercher. Trop bizarre. Ouais, mais là, il faut que je fasse péter. Comment ça? Faut que j'interagisse avec la valve d'eau. Non? J'ai pas l'impression d'avoir activé un truc. Alors, j'ai changé un truc ou quoi? J'ai pas l'impression. J'ai été vu. Ah, oui, bah, je viens de là. Donc, je fais quoi du coup? Ah, oh, ça s'est ouvert ici. Wow, 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 je suis en train de me faire gangbanger là. Ça va pas. Ok. Vache. Ouais, je vais reprendre, mais je comprends pas mon histoire d'inversion de la souris là, c'est très désagréable. Quand je veux avancer, ça recule et vice versa. Donc, au niveau de mon cerveau, là, je suis en train de bugger là. Pourquoi je l'avais pas cette inversion jadis? D'où ça sort? Je comprends pas. Je comprends pas. Très désagréable. Faut vraiment que je m'y fasse. Flash. Ah, ils viennent me chercher? Ah ouais, pas con. Sans aucun rapport avec le jeu, je dois vous déclarer que j'ai le bidon qui me travaille. Donc à mon avis, je vais sûrement me précipiter aux toilettes d'ici peu. Vous en faites pas, je vous mettrai ma compilation de clips pour faire patienter. Mais depuis les fêtes de fin d'année, en fait, je suis pas mal barbouillé. Je sais pas. J'explique pas. De toute façon, bientôt, par examen de routine, je repasserai par la case médecin pour faire un point complet. Mais souvenez-vous, j'étais claqué avant les fêtes de fin d'année. Et je me suis octroyé 15 jours de repos absolu. Mais j'ai l'impression que j'arrive pas à reprendre mon rythme d'avant. Mon organisme dit non, tu... Enfin, c'est pas que tu te reposes encore, mais... Ils sont redoutables. Flash.
censé te toucher là. Lui, il est en train de me briser, excusez-moi du peu. Oh là. Flèche. Oh, je vais retourner dans ma zone où j'étais au sec. Vous allez venir à moi. Mais ça touche ou pas? Oh là là! Putain, l'autre, il me balance des rats à 15 km de distance. Je vais faire ce que je vous ai dit, veuillez m'excuser, mais je vais me mettre en pause et aller aux toilettes, là, parce que... Voilà. Attendez, je vous mets une compilation de clips, à tout de suite, pardon. Petite gêne gastrique. Enfin, ça a que peu d'importance, c'est juste que c'est surprenant, quoi. C'est la première fois que... Ouh là là. Impressionnant, la sortie de route. Ah non, on peut pas ramasser le truc. Non, mais c'est foutu pour foutu, c'est un piège. C'est dégueulasse. C'est une honte. Oui, c'est ça. C'est honteux. Pique. Non, mais elle est mouée, foutu pour foutu. Alors, que je vous lise un peu. De droite. 50, 3 à gauche. 50, 5, droite. Wow, le saut! Le saut de la mort! J'ai voulu la tenter, j'ai perdu. J'ai voulu couper, j'aurais pas dû. Et il me remet pas sur la piste. C'est la caca. C'est pas une citation valable, merci Lara les boules. Oh! Je l'ai pas vu, ce rocher à la noix. Allez, fais ton métier de perqui. Oh! Oh non, vous êtes pas sérieux, les gens. Ça fait une belle parade, mais vous êtes pas sérieux. Oh non, non. Oui, bien sûr. Enfin bon, bref. Si ça devait arriver, évidemment, je te le souhaite, ce serait bien pour toi. C'est pas mon frère. Ah, pas que tu mets. Non, bug de collision, là, je suis pas d'accord. Non, non. Brr. Allez, je fais pas l'idiot avec... Je crois qu'il me reste un continu. Si je fais pas l'idiot avec lui, je l'explose. Non, je veux pas être ton bras droit. Va te mettre le tuyau devant toi, là où je pense. Voilà. Oula, oula, oulala, oulala. Faut que je bouge, faut que je bouge. Faut que je bouge. Wouh, ça envoie du pâté. Ah, sympa. Quoi? The Headster. Alors, si quelqu'un par hasard, je dis bien par hasard, hein, trouve la référence, enfin, à quoi ça fait référence, The Headster,
Je sais pas ce que c'est. Je m'en souvenais même pas. Pardon, je vais reboire un coup, j'ai soif. The Headster. Ça doit bien avoir une signification, un clin d'œil à une œuvre que je connais pas. Ce bolide de légende. 50, sur crête. Instinctivement, j'essaie de voir le sud de la route. Je bouge la tête comme un ego alors que je fais face à un écran. C'est dire à quel point l'immersion est réussie. Qui n'a pas fait un jeu de rallye en vue cockpit et qui a essayé de voir ce qu'il y avait devant son capot en se levant devant sa télé? Franchement, qui? Ça m'est arrivé 50 fois, ça. Non, il était hyper brouillon, ce freinage. Je m'en veux. Pas bien. 50, très long, de droite. Très long. 100, 3 à gauche. Sur crête. Attention, saut. Oh, ça va, c'est correct. 50, 3 le premier 3 saut de l'étape précédente était beaucoup plus abrupt. 50, sur crête. 50, 2 droite. Et 2 gauche. 50, 3 droite. Arrivé. Ouais. Ah, correct, ouais, c'est bien. Alors, je continue à vous lire avec grand plaisir. 3, 2, 1, vas-y. Alors, c'est le souci de la RAM sur les anciennes consoles. Oui. Non, je m'en plains faussement, Twin Sen, du temps de chargement. Parce que je suis bien content, hein, que ça marche. Et franchement, je sais que là, la PS2, elle fait bien son taf. Alors, Fancy, on est tous pareils. Moi, une fois en faisant ça, je me suis cassé la gueule. J'étais assis sur mon lit. Oh merde. J'espère que tu t'es pas fait mal. Ah, c'est con. Oh mince. Madieu. Alors, je peux vous en raconter une bonne. Attendez, pardon, me revoilà. Alors, je ne vous cacherai pas que je me sens beaucoup mieux. Voilà. Pardon pour la petite interruption de programme. Mais là, ça va me permettre d'être bien, d'être jusqu'à midi et demi, la pause déjeuner. Oui, mon horloge qui est complètement déglinguée au niveau du tableau mystère qui dit 1h et 85 minutes. J'ai... Faut vraiment que je révise ma copie. Alors, ah puis j'ai pas... Vous avez ces citations qui m'ont entré fun quand je parlais spontanément dans mes directs. J'ai pas encore fait le tri dans ces citations qui m'a généré. Mais il y en a des pas tristes apparemment. Bref, ça fait partie des joyeusetés, des nouveautés. On en était où, nous? Voilà. Suite de l'aventure. Encore pardon. Voilà. Allez, go. Ah oui, je me sens mieux. Vraiment, je me sens mieux là. Wow. Ah, c'était pas le bon plan. Est-ce que vous voyez plus le... Vous voyez plus le... les indications? Attendez. C'était celui-là, c'était le deuxième plan. On va y arriver. Et du coup... Oui! C'est mieux. Alors... Ils peuvent pas m'atteindre? Ah, ils peuvent pas m'atteindre. Intéressant. Mais il n'y a pas une touche pour...
Je sais plus, pour déverrouiller l'axe souris. Je sais plus comment on fait. Oh! Bah non. Ah, je sais qu'il y a une touche. Je vais pouvoir libérer la souris, ce sera mieux. Oh, décidément. Je sais plus c'est laquelle. Oh, il y a du monde. Je joue tellement mal que ce con va me buter. Attends, on est bien d'accord, il n'est pas du dessus. Mais non, c'est mon point d'arrivée, ça. Au niveau santé, je suis mal. Je vais attendre que ça se rouvre. Pourquoi pas? Salopard. L'autre qui me balance son rat là. Merde. Oh là, je me suis fait allumer, mais quelque chose de méchant. Cinq points de vie. voilà, c'est ça, c'est le nom de la sauvegarde. Ah, j'ai pas l'air idiot avec mon 1h81 minutes. Le truc qui est pas au point. Aïe aïe aïe. Allez, on prend. Non, il m'a trucidé. Oh! Ça fait bizarre de voir sous la flotte. Bah, les eaux usées, beurk, j'en ai des frissons, c'est dégueu. Par le principe, ah. Ouais, je peux pas aller en haut tout de suite, je pense pas. Hein. Je vais pas aller loin. Là, je suis trop faible. Ou alors je refais le niveau, mais j'essaye de le faire mieux et de perdre moins de vie. Je suis pas bon, je suis pas bon. Mince.
J'ai l'impression qu'ils disent fresh, bizarre, cher, cher fresh. Si mon anglais est pas mauvais. Ah non, il vient pas me voir là. Je joue déjà beaucoup mieux. Aïe, j'ai une démangeaison. Ah, c'est l'autre niveau qui m'angoissera là. Ah, le gris, c'est le mini-boss. Quand même que j'attende qu'il soit à une distance optimale. Mais il est 11h. Faut que j'attende qu'il soit à une distance optimale pour bien les défourailler là. J'aime bien la zig d'ambiance. Pom. Alors si je dis pas de bêtises. Boum. Non, pas boum. C'est pas le bon tonneau. Merde. Mais... Ah non. Ah non, c'est celui-là que je vise. Ok. Ah oui, il y avait je sais plus quoi ici. Je bouge. Ah, il est chiant le balanceur de rats là. Voilà, on n'en parle plus du balanceur de rats. Qui vont me rendre visite. Je vais sauvegarder. Je vais remplacer mon E en mieux. Oui, voilà, j'ai même pas le. C'est pas grave, clavier américain. Je suis PS après. Ah, soupir. Ah, bien joué de ma part. Parce que du coup, ça me libère le... Accès, oui, avec un cul. Non, ça c'est pour aller dans le menu.
que j'ai un intérêt à tirer là-dedans. Au moins, ça fait ménage. Ouais. Oh. Ah, mais c'est un boss. Mais je l'ai ou quoi? J'ai pas l'impression. Oh là là, le système de visée par moment est capricieux. Comment je fais pour aller là-haut? Ce sera après. Alors, ouais, je vais pouvoir tirer vers le bas. Là, je suis mieux. Je me dis DF. Aïe, 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 aïe. Je le porte. Ah non, faut que je me ravance. Faut que je vise plus proche parce que. Cette porte qui rend fou. Ah oui, j'ai encore une merdeur de... Ah, je vais pouvoir monter. En plus là j'ai les rats classiques qui m'attaquent, tout va bien. Je vais sauvegarder souvent parce que la progression est pas si évidente que ça. Hein. De.
Pourquoi, je sais pas. Ah bah là, si, la porte de la suite, que je suis bête. Oh, ne me dis pas que c'est chronométré. Oh merde. Alors, ce labyrinthe où il y a les rats déjà. Mais quoi? Oula, il y a du monde. Oula, là, déjà il y a du monde. Oh, c'est stylé, c'est en relief. Et je le découvre avec vous dans le chat. Il y a des logos qui ont un effet d'ombre. C'est pas mal le fond bleu. Oh! Même les rats en ont après moi. Mais je peux pas le liquider le rat. Si? C'est un faux mini-dédale. La suite est par là avec le fait d'être chronométré. Voilà. Fraîche, c'est horrible, mais c'est ça. Ah là là. Oh, pardon, je retire même le chapeau qui finit par m'agacer. Excusez-moi. Limite, il ne donne pas des démangeaisons à la base du crâne. Alors. Strike, je crois. Flash. Oui, il y en a encore pas mal. Flash. Allez, je go au travail, je vous fais des bis, à demain peut-être. Oui, bah bisous Olive, bon courage pour le taf, merci d'avoir été là. Bon courage pour le boulot Olive. Ah ouais, samedi c'est une de tes grosses journées. Oh, bah. Changer d'arme. Ah, c'est vrai que j'ai ça aussi. Oui, un poisson chien. Bien pour une dernière prise. La flèche.
Ils sont chiants. C'est pas la bonne arme. J'ai quand même pas tiré la roquette, si. C'est précieux, les roquettes. Faut que je fasse gaffe. Ah, joli strike. Ah bah voilà. Ah si, il y en a encore. Oh, ils sont chiants. Ah, je vais sauter dans l'arène là, parce que il y en a plus tant que ça, et puis voilà. Chuter là, forcément. La joie des dédales. Je gémis comme lui. Dans les catacombes de Paris, il y a des indications directionnelles. Oh merde, c'est un tonneau de... Oh là là, je suis cerné par les tonneaux explosifs. Skid pit. Ah, il y a une... Comment on appelle ça? Une fosse. J'ai peut-être même littéralement en anglais, je sais pas le terme fosse technique. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Twinsen? Le sage doubleur de cri dans les séries B ou Z. Ouais. Je me suis blessé du souffle. Oui, là, faut que je fasse un saut, là. Je suis obligé de faire un saut. Bon, bah, on va sauvegarder, parce qu'à mon avis, le saut, je vais me louper. Le saut. Oui, comme ça. C'est mieux orthographié, comme ça. Aïe. Oh joli, je suis tombé. Ah, je l'avais. Configuration à la noix. Avec la souris, il suffit que je bouge trop et puis je fais des mouvements pas souhaités. Bah là j'ai merdé mon saut. Je peux le faire, la preuve. J'ai eu la chance du débutant. Ah, c'est rageant. Non, il a pas sauté mon perso. Oh là 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 là. J'ose plus bouger. Non, pour lui, j'ai pas le droit. Déconne pas. C'est quoi l'instruction? Le bouton du pont.
J'ai pas le droit. C'est dégueulasse. Bah. Pourquoi ça marche pas? Oh. Je suis obligé d'aller dans la fosse là? C'est terrible cette histoire. C'est terrible. Oula! Petit bug. Petit bug de tout va bien. Oula. Ah, oh, ils sont chiants. Il y a les rats qui sont manchards. Attaque forcément. Ah. Mais. On est bien d'accord, pas vu ça c'est le menu. D'ailleurs je peux sauvegarder une fois de plus, allez hop. Oh, je suis exaspéré. Mais. Pourquoi je peux pas interagir avec les interrupteurs? Je comprends pas là. Oula. Ah, il y a un interrupteur là. Il y a les rats qui font tuer. Ah, oh, vous êtes chiants, les rats. Mais sérieux? Je peux pas interagir avec les. C'est une hérésie, ce jeu. Ça a rouvert là. J'ai toujours pas le droit d'accéder au. Je comprends plus. Ah, puis le truc s'est refermé, j'ai pas le droit de revenir. Oh, c'est naze. C'est naze de chez naze, ce truc. Oh, c'est un truc secret. Elle est bonne celle-là. Oh là là, faux mur. C'est abusé. C'est abusé. Bon, il commence par me courir sur le haricot, les rats là. Je comprends pas. Là, ça se déverrouille pas. Non. J'ai merdé le saut. Non, je vois pas. Je peux rien faire pour interagir avec l'interrupteur. Me tirer dessus, il se passe rien. Je comprends pas. Là, je pige pas.
c'est... Il faut que je revienne sur mes pas. Je triche pas. Je veux bien revenir sur mes pas, mais... Pour aller où? Pardon. Ah, ce dédale. Oui, je venais de là. Il n'y avait pas d'intérêt. Il y a un interrupteur que j'aurais négligé. Ah, j'ai des excités là. Bah, je suis tombé. Oh là là, c'est reparti pour un tour. Pardon, j'ai un souffle dans le micro, mais là, c'est parce que je suis exaspéré. Là. De toute façon, ça, c'était le coup de la valve d'eau. Je vois pas ce que je peux faire de mieux. Non, ça, j'ai déjà... Si, je comprends pas. Il y a un truc qui m'échappe. J'accepte le concept de bouton qui s'active dans l'ordre. Mais la lecture du niveau... Ça s'ouvre pas, ça encore. C'est peut-être une porte condamnée. Ah oui. Oui, ça c'est le menu. Tu vas pas me dire que je peux plus interagir avec ça. Ah non, je peux plus. Je vais devenir fou. Je comprends plus du tout. Donc j'aurais jamais dû tomber, je peux plus revenir, c'est ça? Je pige pas. Attends. Ah oui, je me dis, il y en a qui essaient de m'agresser là. Voilà, j'aurais dû faire ça comme ça. Mais je peux plus. Si, je peux. Non, c'est trop haut.
Je peux plus revenir. C'est terrible, mais je peux plus revenir. Je suis coincé. Fais suer. Mince, je suis tombé comme un caca. Ça va de mieux en mieux, ça va de mal en pis. Oh là 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 là. Ouais, bon. Si je recharge. Satanera, heureuse d'air. Pas la pièce. Bah oui, enfin en même temps si t'en profites pas que t'es pas là, c'est pas grave, j'y jouerai cet après-midi. ZR. Je reprendrai Resident Evil 0 tout à l'heure, vers 14h je pense. Enfin, en espérant que je sois pas plus barbouillé que maintenant. Parce que je reconnais que, sans déconner, depuis les fêtes de fin d'année, j'ai la santé vacillante. C'est chiant. J'ai l'impression que là, cette année, la mauvaise saison me pèse sur l'organisme et de manière considérable. Sympa ça. Va falloir que tu passes le mois de janvier en espérant que Fury s'améliore pour toi niveau santé. Ouais, mais ce que je disais tout à l'heure, de toute façon, il faudra que je passe par la case médecin, ne serait-ce que pour la routine. Ça fait un petit moment que je suis pas allé voir mon médecin. Histoire de faire le point. C'est important d'avoir un suivi médical. Ouais. Non, j'ai pas ça. Ouais, mais si, c'est important. Mais puis là, je me demande si j'ai pas une fragilité d'un point de vue dentaire, je comprends pas. J'ai une dent qui devient sensible alors qu'elle l'est pas habituellement, donc c'est pas bon signe. Je me demande si récemment je me suis pas endommagé justement une gencive avec. J'utilise une brosse à dents électrique. Et j'ai dû me foutre un coup accidentellement, donc je me suis fait mal. Donc j'espère que j'ai pas endommagé la dent, donc j'ai un peu peur, mais je sais pas le quoi.
Ah, je vois le dentiste et le médecin. Bon, je suis coincé. Non, je m'en sors pas. Je comprends pas. J'ai des interrupteurs, j'appuie dessus, il se passe à rien. Je pense que comme le coup de l'Égypte, là, je suis coincé. Ah, ça me dit rien, ça. Ah, ça me dit rien ici. Attendez voir, la suite est peut-être ici. Ils sont chauds. Oh, carpe longues oreilles. Stylé. Bien joué, SDR. Pardon. Oh là là. J'arrête pas de bailler. En même temps, c'est que je me relaxe. Ouais, j'ai des boutons, mais c'est pas le bon. Il doit y avoir un ordre, c'est chiant. Mais va trouver lequel. Ça m'a rien déverrouillé. Mais on progresse. Ouais, c'est ça. Il se passe rien, ça veut dire qu'il y a un orbe dans les interrupteurs. J'en ai 3-4 accessibles. Mais il bouge pas. Ça veut dire que selon la programmation du jeu, j'ai pas le droit de les activer maintenant. Comment je fais pour les atteindre? Trop bizarre. Ça, bah oui, storage. Ça s'ouvre pas? Apparemment, non. Quoi? Flood? Stop? Bizarre. Mystère et boule de gomme. Ah non, j'ai rien d'autre, je vais là. Là, je piche pas là. Là, je sèche. Mais je suis quand même face à une énigme. Hein. Je veux pas. C'est bizarre. Interrupteur. Oh.
Ça, apparemment, c'est pour me dire que je peux. C'est une passerelle qui se déverrouille. Alors, il n'y a pas eu d'ordre précis pour les activités d'intellectuels. Oui, si, il doit y avoir un ordre. Mais le problème, c'est que je le trouve pas là. C'est bizarre. Oh! Je serais pas passé par là? Ça mène à rien d'intéressant. Un cul-de-sac bidon. Bah, je peux avoir le scanner. Mais là, ils mettent pas vraiment le scanner. Le scanner, il est plus efficace. Il est plus efficace en extérieur. Je t'ai troublé parce que tu me disais Twinsen. Ouais, non mais le scanner, il est bien en extérieur. En intérieur, c'est rare qu'il aide. Et tu me diras une fois, il a aidé dans un supermarché. Excusez-moi, j'arrête pas de bailler, c'est une horreur. C'est maladif chez moi. Bon, faut pas que je retombe là parce que sinon je peux pas revenir. Oh, c'est un mystère. Je comprends pas là. Ouais, là j'avais fait. Il y a le mur caché, voilà. C'est parce que je suis le truc en sens inverse. Ah, là il a bien voulu. Oh là 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 là. Il a bien voulu. On progresse. Ah, là il va bien aussi. Merci pour les vidéos. Oh! Ça bouge. Je sais plus comment nommer ma sauvegarde. Oui, ça sent pas trop la rose, ça sent le renfermé. Attendez, je vais rouvrir chez moi 30 secondes, histoire de faire circuler l'air, parce que là, j'ai pas aéré ce matin, c'est pas bien. Juste 30 secondes, je sens que l'air est vicié, ça sent pas bon. Enfin, ça sent pas bon, ça sent le renfermé en fait. Voilà, là ce sera mieux. Hop là. Alors, tac. Oui. Qu'on retourne. Ouais, mission aération et boire un coup.
Mais j'ai un peu avec travers. Mince, je rappuie pas sur le bon bouton. Excusez-moi, je suis nul. Oui, moi bon, je suis à peu près bien assis là, merci. Oui. Ah, ne me dis pas que c'était chronométré. J'ai l'impression que c'était chronométré le truc. Ah. Ah, elle est bonne. Ah, je vais mettre la... Mais je peux l'atteindre la plateforme en étant comme ça. Alors attends. Il faudrait que je sauvegarde dès que j'ai appuyé. Alors attends, vite. Wow. Mais quel est l'intérêt du coup? Non, c'est pas ça qui est ouvert. Je vois pas où. Ah bah si, il y a encore des monstres en bas là. Oh, vite chien. Bizarre. Bah, tu sais, j'ai peur des parcours chronométrés. Donc. Ah, là encore, j'ai déclenché un truc. J'ai déclenché un truc, mais je sais pas quoi. Ça? Non. Mais non. Oh, ce dédale en plus. Ah oui! Oui, c'est la suite! Il y avait... Je me dis bien qu'il y avait une passerelle qui coulissait, un truc. Ah, cool. Ouh. Je suis pas si mauvais que ça. Merci pour vos encouragements. J'entends un truc, mais je vois pas. Oula, il s'est passé quelque chose. Mais je pourrais pas dire quoi. Trop bizarre. Attends, je redescends proprement. Ah, c'était ça. Attends. Ah, il faut sauter de... Ah, attends, je vais recharger le truc. Ok, je vois ce qui se passe du coup. Non, là j'ai pas appuyé sur l'interrupteur apparemment. Bah là on est où d'ailleurs, pas le bestiole. On recommence. Voilà. Et là, il y a le truc qui bouge. Donc. Mais je peux pas. Si je peux. Non, je suis tombé. Mais quel abruti. Oh le con, je suis tombé de la plateforme.
Au moins, je sais comment procéder. Il faut que je maîtrise. Ah bah tiens, on a le plan de la zone. Ok, je sais pas ce que j'ai déverrouillé, mais j'ai déverrouillé. Suite de la suite. Comment ça, ça sent le plagiat? Oui, on est au niveau 6, ouais. Il y en a une dizaine dans le jeu. Je sais plus s'il y en a 10, 11. Mais... on a une dizaine d'animaux. Je sais pas si l'agenda est à jour en plus. Je sais même plus ce que j'ai fait de l'agenda. Non, c'est la porte là qui était pas ouverte. Pourquoi il m'en est là? Ça a pas bougé, j'ai pas fini de nettoyer les égouts. Si, c'est à peu près ça, sauf que j'ai pas fait le calling MacRaider. Peut-être que je le ferai après Resident Evil, ça prenne. Si je suis bloqué, je me le garde en route de secours. Je sais pas d'où il est. C'est pas un truc. Si, c'est un truc secret planté là. Le fait qu'il puisse m'atteindre, c'est quand même grossier. Oui, c'est une zone secrète en gros quoi. C'est... Ah, l'humour des développeurs. J'apprends là alors. Mais je pourrais pas remonter, la porte elle est fermée, maintenant elle est condamnée, non? Sauf erreur de ma part, elle ne s'ouvre plus. Ah si, elle s'ouvre. Je peux revenir... Donc je reviens là. Ouais, il y avait la suite là. Oh, le dédale. Là, il n'y avait rien d'autre. C'était un cul-de-sac. Là, il y avait quoi? Un interrupteur que j'ai poussé. Ah, ah, ah! Je suis pas allé par ici, là, pardon. Autant dire que j'ai plus de balles d'usi. Oh, c'est nouveau ça.
Ah, ça fait plaisir. Vous êtes chiants les rats, vous êtes chiants. Mais ça, j'en fais rien là, du coup. Qu'est-ce que j'ai déverrouillé alors? J'ai déverrouillé un truc à l'autre bout de la carte, peut-être. Je reviens là, sinon il y a par là. Non, je pense que c'est en arrière. Pas évident hein, de... C'est bien jongler. Moi je veux bien refaire ça. J'arrive plus à maîtriser le son. Bah, je vais me retrouver au plan de... Voilà, au plan des égouts, le truc est déjà ouvert. Je serai là en fait. Mmh. Ah, c'est une sacrée zone. Il y aurait un endroit apparemment, il faut que je sorte des égouts par un semblant de grotte ou un bord de mer, je sais pas ce que c'est. Bizarre. C'est bizarre. Ah mais j'ai pas vu, ça m'a libéré là. Ça m'a libéré un accès, dis donc. Oh merci, c'est gentil pour les joyaux, les sous-sous. Merci Ezer. Merci tout plein. Bah, ça va dans la cagnotte de la chaîne. Ça pour plus tard, acheter des jeux. Je pense que ce sera... Ou financer, tu sais, le serveur Minecraft. Minecraft que je ferai demain après-midi. Attends, j'ai pas sauvegardé depuis un petit bout de temps là, faut que je sauvegarde. J'ai un doute. Oh merci, c'est adorable. Z. Non, W. Ah oui, c'est vrai que j'ai le clavier américain là. Je suis en QWERTY comme on dit. Cagnotte. Merci tout plein. Ah! Je crois que j'avais vu juste, en disant en bord de mer, ou je sais pas quoi. Merci de ta générosité, dans la cagnotte, la chaîne file à contenir, grâce à toi le serveur, Minecraft sera financé ainsi que plein d'autres choses. Joyeusement partagé. Je me suis tapé un délire, c'est pas mal. Oui, pour t'encourager, pardon, j'ai coupé la voix de la madame, merci. J'ai fait le foufou en chantant au micro et je trouve que le résultat est pas mal. Donc à mon avis, l'alerte là, je vais la garder longtemps. Ouais, c'est rigolo. Ah, un petit chant. Mickey, Mickey. Mais je reconnais que c'est pas trop mal joué. Oh là là, génial, y a un nid. Ah bah c'est ça les ordres de mission. Dégommer les nids. Ah, elle est bien l'image de la nana qui chante. C'est ça. Trop bien. Je vais désinfecter ça au lance-roquette lui. Alors que les rats sont en train de me bouffer. Voilà. Équipe de sauvetage à Nizanov. Survivant localisé. Quoi, faites demi-tour et poursuivez la mission. Attention, le scanner détecte encore des déplacements sous terre. Ouais, ok. Oui, bah y a du grabuge. On avance, c'est bien.
Voilà. Oh la vache. Ils sont en colère. Ça y est, j'ai niqué leur nid. Ils sont tous sur moi. Non, j'ai pas d'intérêt à aller en hauteur apparemment. Ah les cochonneries. Oh ce dédale quoi. Je sais même plus d'où je viens. Panique! Je suis Peldouche. D'où viens-je? Et où vais-je? Pourrait-on dire. Ah! Je retrouve. Donc ils m'ont dit demi-tour, revenez sur vos pas, il faut que je revienne de là où je viens. Faut que je me souvienne. Mais je m'arrêterai à la fin de la mission, hein, parce que les missions sont assez longues. Je garderai pour... peut-être pour demain, on verra demain matin, ou un autre week-end. On va aller au tableau mystère. Thunsen est encore là ? Ouais, Thunsen va être content. Si je lui dis que je fais le point sur le tableau mystère, ça y est, il va pas décrocher de l'écran. Parce que les missions sont assez longues. Non, puis là, on est proche de la pause déjeuner. Je vais prendre du temps pour moi, pour me restaurer peinard. Pas me... Je suis pas là pour stresser. Je sais même plus d'où je viens, merde. Attendez. Faut que je fasse un effort au niveau de ma mémoire. Je viens de là, je crois. Non, je viens pas de là. Je viens de là, je crois. Oui. Je viens de là. Et après, voilà. Ah merde. Je suis tombé plus vite que prévu là. Ah, ils sont chiants quand ils sont pas au même niveau que toi. Tu peux pas les atteindre. Voilà. C'est le piège. Ah, bah ça s'ouvre. Attends. Ah, bah c'est ça l'évacuation. J'ai jamais pris par là, moi. C'est la suite. C'est la suite, les enfants. Oula, gare. Qu'est-ce qui m'attend derrière? Y'a quoi là? Oh! Mais! J'allais dire, tu touches ou. Tu danses la Macarena comme un ego devant lui là? Wow! Lance-missile, c'est bon ça! C'est très très. Oh, ça c'est moins bon. Ah, il faut que je sois au même niveau que pour le toucher. Merci. Oh, puis les bleus, c'est les coriaces. C'est les mini-boss. Ça va arriver, Thunsen. Ça va arriver. On approche de la fin de la mission. Oh merde. Oh là. Attends, il y a encore des trucs à faire. Je vais sauvegarder parce que je veux pas crever comme un caca bêtement alors que je suis à deux doigts de la fin.
gelé dans le cul. Ah, Fanfan, bonjour. Du coup, je vois Funmodo, si ça me fait tilter, j'ai quoi, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Fanfan. J'ai eu la même que toi, SDR. De quoi? De... Ah, j'ai loupé un truc dans ce que vous avez dit, pardon. Alors... Oh là, je suis tombé carrément dans la fosse. Le truc a imité. Ah, les rats sont en train de me bouffer là. Ouh là là. Attends. Comment je fais pour atteindre le truc moi? Ah, il faut que je me laisse tomber au bon niveau. C'est vicieux votre truc. Il y a un peu, il y a une logique un peu à la Quake, je trouve. Je joue très mal. Je joue très mal. Pourquoi? Parce que j'ai un problème avec la souris. Elle. Putain, merde. Pardon. Excusez-moi. J'en deviens vulgaire parce que je suis frustré. Merci. Oui! On y croit. On veut y croire. C'est quoi? C'est pas la sortie, ça? Attends, je vais baisser un peu mon... Voilà. Mon point de tir, parce que... Ils sont en train de m'allumer, je les touche pas, donc ça m'énerve. Oui, je sais que vous m'aimez balancer des rats dans la tronche. Il est où le grenade? Voilà, on a fait le ménage. Oh là là, il y en a du monde. Je vois un beau tigrou. SDR, ça. D'ailleurs, j'avais remarqué dans mon dessin, j'avais pas fait les moustaches de mon tigrou. Je recorrigerai plus tard. Oh, tu une scène, t'es terrible quand tu dis qu'il est déjà debout. Mais ça lui arrive de se lever à 9h et des un peu plus tôt. Eh oui, tu te regardes ton caméra café, bah oui. Ton plaisir le samedi matin. T'as bien raison. Ah, ils sont chiants. Mince, j'en tombe. Qu'est-ce que c'est que ce dédale dans le dédale? Non, c'est le jeu qui est très pixelisé. Il est... C'est mon plus vieux FPS rétro. Il est ultra pixelisé, je sais, c'est spécial.
Ça pique des yeux, mais désolé. Je peux pas parer ça. Oh là là. Oh là là. En fait, non, c'est pas la fin du niveau, non. Oh là là, les égouts sans fin. Quoi, je vais où là, je comprends plus. Oh là 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 là, je suis dans la fosse à purin là. On se calme. Voilà. Ce jeu de ma boule. Tu dois pas être loin de la vérité au niveau de la résolution. Ça doit être un 600-800, je crois. Génial, je me suis pris la porte dans la gueule. Ça fait toujours plaisir. Mais il va cramer lui ou... Putain, je suis en train de tomber. Ah, je deviens fou. Là, il y a un bouton, je sais pas pourquoi. Mais j'étais sur les hauteurs. Oh, vous faites chier. Vous êtes nuls. Là, j'ai l'impression que je reviens en arrière. Il y a des ennemis partout. Faut surtout pas que je tombe. Bon, là, il y a personne. Waouh, 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 waouh. J'allais dire, faut surtout pas que je tombe, c'est fait. Ah, je peux monter comme ça? Ok. Putain, le mec, il est athlétique. Je deviens fou. J'ai déjà fait ici. Oh, j'ai quand même plus rien. Aïe, aïe, j'ai plus de... Je suis bloqué. Merci. Merci les ennemis. Je suis grave bloqué. Je suis sur un ennemi. Il y a un bug de collision. Ah. Ça bouge enfin.
Bon, le flingue de l'inefficacité. Allez. Merci. Oh, la misère. Ah, c'est dur. Oui, le chrono, s'il est pas foireux, c'est dans 2 minutes, le double mystère. M'en parle pas. 1 minute, apparemment. C'est ça. Allez, je retombe dans le truc. De toute façon, j'aime ça. J'aurais le contrôle parfait, je dis pas, mais c'est pas le cas. Mais je peux même pas atteindre le bestiau par rapport à sa taille. Je vais pas tirer mon lance-roquette dessus, mon gars. Merci. D'accord, il y a le Nigola, mais je peux pas monter. J'ai pas d'intérêt à être là en fait. C'est un piège. C'est un attrape Nigo. À un moment, j'étais dans une sale honteur. Il y avait un bouton et ces Nigo étaient tellement nombreux que je suis tombé. C'était où? C'était là. Merci. Quoi? D'or, machin. Oh, joli. Bon, je vais sauvegarder d'ailleurs parce que je progresse. Ouais, allez, on fera le tableau mystère. Dès maintenant, je reprendrai la suite un autre week-end. Même moi, c'est triste, je m'en agace. Mais j'ai 2 problèmes, en fait. J'ai ma souris. Pourquoi elle réagit mal là, alors qu'elle a pas mal réagi avant, quand j'étais hors antenne? Mystère. Et je suis barbouillé. Là, je suis agacé parce que j'ai envie de prendre ma pause déjeuner. Et il faut que j'aère. Je crois que mon air chez moi, est... je suis en train de m'empoisonner, là, au gaz. J'ai remué pas mal de trucs ces dernières heures chez moi, et, dont les poubelles. Et je suis en train de me gazer là, faut que j'ouvre ma fenêtre. La porte suffit pas. C'est pour ça que je me sens pas bien, je pense. Je suis en train de m'empoisonner au gaz, si je peux dire. Pardon du terme, mais. Faut que je renouvelle l'air là. Bref. Alors, faisons point. Je vous préviens. Le tableau mystère, il y a des trucs qui ont été... Bah, tout a été trouvé, je crois. Je vais repointer, attendez. Merde, j'ai pas... Les patoutes. J'ai pas sorti le tableau. J'ai pas sorti le tableau. Enfin, le... ma grille de réponse. Les patoutes. Allez, on va dire que je suis en just chatting avec vous, là. Wow. Bah alors, merci de me foutre le truc dans la tronche alors que je suis en train de faire des modifs. Oh, l'interface sauvage. Ça y est, ça fait bugger mon navigateur. Oh là 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 là, c'est d'un pénible. Allez, just chatting. Alors, on est dans quel tableau déjà? 62. Ah oui, je crois que vous m'aviez donné une bonne réponse. AJ est une scène. Ouais. Ouais, tout a été trouvé symboliquement. Donc je vous le mets pour le geste. Donc c'est bien, je vais tirer un autre tableau mystère. Vous avez tout trouvé, je vais vous attribuer vos points. C'est bien.
Alors, je dois donner des points 500 à Jay et 1000 à Twinsen. Attendez, je reprends mon clavier sur moi. Alors. Et 1000 points pour tuer une scène. Bravo! Alors, lâche-titrou. Lâche-titrou pour le prochain. Ah oui, j'ai pas mis le chat dans les autres scènes, tiens. Oh, c'est pas grave, ça reviendra. Merde, j'ai pas mis le truc de stat. Je peux pas lancer la roue de manière classique. Attendez. C'est ça. Bah, les réponses, brièvement, en fait, il fallait trouver Bolo Ball, Star Gunner et Cybersphère. Voilà. Tac, tac, tac. Comment je faisais pour lancer la roue? Je sais plus. C'était où? Ah, c'était là. Alors, les dizaines. 9. C'est pas possible, j'ai que 70 tableaux environ. On recommence. Dizaines. 5. Et l'unité 0. Ça fait tableau 50. Où est le tableau 50? Je prépare le terrain. Ah, tableau 50. On est le combien? On est le 22. Hop là, hop là. Alors, je me prépare moi à lire les réponses. Wow! Ouh là là! Vicieux. Vicieux, vicieux, vicieux. Attention! Il est où? Il est là. C'est parti! Oh, pas difficile, 4 jeux. Pardon. Ouh, il y en a un que j'ai commencé que j'ai jamais fini. Dans le lot. Il y en a un, je me suis frotté un peu. Alors n'oubliez pas, point d'exclamation TM, espace suivi de votre réponse. Ah là 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 là. Ah, il y a le Rex machin qui est un casse-noisette. Alors, hop là, je le banne. C'est un compte vérolé de pub. Oui, bien, Twinsen. C'est celui-là que j'ai commencé, que j'ai jamais fini. Qui est balèze, c'est de l'horrifique, c'est du. Qu'on appelle ça? Du. Colochulou, là, je sais plus quoi, là, du. Enfin, de l'horreur, de l'horrifique, bien. Bien, tu une scène. Alors. Alors, je vous le laisse un peu à l'écran. Mince. Non, c'est pas ça que je voulais. Ah oui, voilà. Que j'ai accès à mon tableau. Alors, ouais, complète ton une scène. Merci de compléter au niveau de ta réponse. Attends, j'ai oublié de vider le, voilà, la liste par rapport à l'ancien tableau. Il faut que tu complètes ta réponse, s'il te plaît, une scène.
Mais c'est bien. Tac, tac, tac. Oui, il faudra que je remette le chat, moi, dans le signal vidéo, là. Attendez voir, je peux pas vous le faire à chaud. Normalement, si. Hop là. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Ouais, c'est bien. Je suis heureux que tu aies complété la réponse. C'est bien. C'est ça. C'est bizarre de dire faire un film avec Steven Spielberg, c'est le nom d'un jeu. Ah, peut-être pour donner des vocations. Ouais, je vais t'attribuer tes points maintenant. Bah voilà, 1000. T'as 2 fois 500. Bien joué. Faudra que je mette sur le Discord après. Bon, bah je vous laisse chercher. Sacré Twinsen, va. Non, non, non. Au compte-goutte. Mais t'es fort, j'admets. Ah, je le mettrai sur Discord, là. Bon, allez, j'ai faim. Je commence à avoir mal au crâne pour de bon, là, c'est pas bon signe. Faut que je m'aère et puis que je me pose un peu. Donc, théoriquement, on se retrouve à 14h, à partir de 14h. J'espère que là, d'ici là, j'aurai repris un peu du poil de la bête. Et sinon, au pire, je vais me prendre l'aspirine. Mais voilà, quoi. Bon, bah merci à vous d'avoir été là. On reprend cet après-midi à partir de 14h avec du Resident Evil 0. Voilà. N'hésitez pas, je pense comme s'il y avait le monopole de Tunsen dans le jeu, à céder vos réponses dans le chat. Et puis on fera un point en fin de journée au niveau du tableau mystère. Je vais regarder si je peux vous organiser un raid. Il y en a qui diffusent à cette heure-ci. Ah, j'ai personne. Bon, bah c'est pas grave, je vais couper le signal bêtement et puis... On se retrouvera tout à l'heure. Bon, bah merci d'avoir suivi ce matin. Merci aux anonymes qui regardent aussi, hein, ceux qui se manifestent pas. Oui, voilà, on est en petit comité, tranquillou, peinard pépouze. Je vais essayer de corriger entre midi et deux mon logiciel qui est foireux au niveau des compteurs. Un truc tout bête, mais c'est rigolo. Allez, je vais couper le signal. Bisous tout plein à partir de 14h tout à l'heure. Bonne app, ciao ciao. Merci d'avoir été là. Qu'on coupe, on ferme.